Alors bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors aujourd'hui, on va faire une revue d'actualité économique avec les principaux faits marquants de la semaine qui sont toujours liés à mon portefeuille d'actions dividendes croissants. Alors la première news concerne Nvidia qui dévoile une puce de processeur conçue pour le minage d'Ethereum pour limiter la pénurie. Alors est-ce que le fabricant de cartes graphiques Nvidia vient-il de mettre fin à la guerre entre les mineurs et les joueurs PC? Alors c'est vrai que les mineurs utilisaient les cartes graphiques des joueurs pour pouvoir faire du minage d'Ethereum et de Bitcoin. C'est une très bonne chose, je pense, qui puisse faire une carte spéciale pour les mineurs, parce que les pauvres gamers ne pouvaient même plus se payer les cartes Nvidia, tellement elles étaient chères sur le marché. Donc, alors l'entreprise vient de dévoiler une nouvelle puce de processeur spécialement conçue pour le minage d'Ethereum, en plus de rendre l'une de ses cartes graphiques haut de gamme moins efficace pour cette activité. Donc ouais, c'est très bien ce qui se passe. Est-ce qu'il faut investir dans Nvidia? Alors si vous êtes un investisseur à rendement, je dirais non, parce que bon, le dividende il est vraiment peu élevé, il est à 0,11%. Est-ce que ça vaut le coup d'investir sur la croissance du titre? Je pense que là, le titre il est déjà très très élevé, hein, il est à 601 $ versus 340 en fair value. Je pense que pour le moment, en tous les cas, vaut mieux rester à l'écart d'un achat. Alors, pour les gourmands, les Reese vont débarquer massivement dans les rayons chocolat des supermarchés français. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, elle est très connue aux États-Unis. Donc, les cups chocolatés fourrés au beurre de cacahuète vont gagner en visibilité en France en rejoignant les rayons confiserie dès le mois d'avril. Alors, la marque emblématique aux États-Unis, donc comme je vous disais, c'est vraiment très connue cette marque aux États-Unis, va renforcer son exposition en France. Et qu'est-ce que dit le magazine spécialisé Linéaire? Les cups chocolatés fourrés au beurre de cacahuète du groupe alimentaire américain Hershey vont se faire une place dans les rayons confiserie des grandes surfaces tricolores à partir du mois d'avril. Alors pour être honnête avec vous, je ne connaissais pas le groupe Hershey. Donc j'ai fait quelques recherches. Alors, le rendement du dividende il est à 2,11%. Le cours actuel est à 151 $. Le fair value de Morningstar à 133. La sécurité des dividendes est plutôt intéressante, elle est à 93 sur 100. Et ça fait 32 ans qu'ils versent un dividende. Donc, alors, je ne suis pas allé plus loin dans l'analyse, mais je pense que ça vaut le coup qu'on s'intéresse à ce titre sur 2021. Donc, je pense mettre ce titre dans ma watchlist. Et puis, sur le deuxième trimestre, je prendrai un peu plus le temps pour l'analyser, mais en tous les cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gourmands. Alors, une nouvelle news qui concerne Amazon et le monde de la crypto, en particulier le BTC. Donc, Amazon montre de l'intérêt pour les crypto-monnaies. Amazon pourrait très prochainement ajouter une corde à son arc, en plus de ses propres produits de commerce en ligne et de sa plateforme de streaming vidéo. Amazon, pourrait également se lancer sur le marché des crypto-monnaies. Plusieurs offres d'emploi ont été récemment publiées en ce sens. Alors, si Amazon se met à investir dans le Bitcoin et dans la crypto-monnaie, ça risque encore de faire booster le Bitcoin et bah, toutes les autres cryptos. Donc, c'est vraiment une affaire à suivre parce que je trouve qu'actuellement, l'actualité autour de la crypto-monnaie est vraiment très, très intéressante. Donc, affaire à suivre. Alors, news concernant Papy Buffett, voici donc les trois nouvelles positions de son groupe Berkshire Hathaway. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous annonce? Bah, il a trois nouvelles positions. Donc, il a pris Chevron pour 4 milliards de dollars, Verizon Communication pour 8,6 milliards de dollars, et enfin March et McLennan Company pour 499 millions de dollars. Alors, ce qui est intéressant, c'est Verizon.
pour moi, je parle bien évidemment parce que j'ai déjà ce titre et je prévois d'acheter du Verizon encore ce mois-ci. Je vous ai mis ici quelques informations concernant Verizon. Ils ont donc le rendement du dividende est à 4,42%. Le cours actuel est à 56 $, ça y correspond plus ou moins au fair value de Morningstar. La sécurité du dividende est à 87%. Et le dividende, donc, ça fait 30 ans, pardon, qu'il verse un dividende. Donc, bon, Verizon, très clairement, c'est un des leaders des télécoms aux États-Unis. J'ai déjà fait une vidéo dans ce sens-là. Sincèrement, je pense que c'est vraiment une boîte qui, encore dans 20 ans, on parlera d'elle. Donc, je vous invite vraiment aussi à analyser ce titre parce que, y a vraiment un coup à faire sur Verizon. Surtout si vous êtes un investisseur qui cherche un rendement, vous avez quand même un rendement à 4,42%. La hausse annuelle du rendement chez Verizon est entre 2 et 3% par an. Donc, quand vous amenez ça sur 10 à 20 ans, c'est assez intéressant. Alors, autre info sur la taxe sur les transactions financières qui a rapporté en 2020 1,7 milliard d'euros. Alors, ça, c'est clair, les Français sont les champions des taxes. Alors, qu'est-ce que dit l'article? Un montant record depuis sa création en 2012. En 2020, la taxe sur les transactions financières, la TTF, a rapporté à l'État français plus de 1,7 milliard d'euros, a annoncé le ministre des Comptes publics. Alors, en 2020, cette taxe sur les transactions financières a battu des records en termes de recettes pour l'État français, puisqu'elle nous a permis de percevoir 1,785 milliards d'euros, soit une augmentation de 340 millions par rapport à l'année précédente, a déclaré le ministre de l'Assemblée nationale lors de la séance de questions au gouvernement. Bon, je ferai pas de commentaires, hein, une nouvelle fois, de toute façon, les Français sont très innovants dans les taxes, ils sont certainement un peu moins innovants dans l'industrie et dans l'économie digitale, mais bref, ça, c'est secondaire apparemment, vaut mieux taxer les sociétés et les particuliers qui essayent de faire de la monnaie, ça c'est toujours plus facile. Alors une info Google, le câble géant de Google relie désormais la France aux États-Unis sous l'Atlantique. Alors long de 6000 à 600 km, le câble ultra puissant de Google relie la Vendée à la Virginie aux États-Unis en passant sous l'océan. Donc alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Il permet donc une vitesse de transmission de 250 terabits par seconde, soit presque 10 fois plus que la moyenne des câbles sous-marins. Donc, alors le câble s'appelle Dunant en l'honneur du Suisse Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge et premier prix Nobel de la paix. Alors donc, écoutez, on savait déjà que l'Internet était possédé par les Américains et par Google et Facebook et Apple. Là maintenant, on a clairement la confirmation. Donc, bien joué Google. Je crois que Facebook, ils ont aussi... ils ont installé aussi un câble qui relie l'Europe et les États-Unis. Donc, super investissement. Je pense que ça prend tout son sens et surtout, c'est un investissement à long terme pour eux. Donc, bravo au Google. Alors, une autre info pour les gourmands, KitKat qui lance une version vegan de sa barre au chocolat. Alors, Nestlé annonce l'arrivée prochaine d'une barre KitKat sans produits laitiers. Cette confiserie a été conçue avec des chocolatiers, des scientifiques et testée par un panel de fans. On a vraiment l'impression que c'est un produit de luxe qui est en train de sortir là. Donc, et apparemment, les amateurs ne verront pas la différence, assure Nestlé. Bon, c'est quand même à tester, c'est une information intéressante. Moi, j'aime bien le KitKat, donc à tester dès que ça sort. Alors, une info crypto, le Bitcoin franchit un cap en dépassant les 50 000 $. Le Bitcoin a dépassé mardi la barre des 50 000 $ pour la première fois, la plus emblématique des crypto-monnaies franchissant un nouveau cap vers une large acceptation par le grand public comme par le monde de la finance. Ouais, ça commence à le faire, hein, 50 000 $
Là, un BTC, c'est juste énorme. Et donc, à l'heure où je fais cette vidéo, donc là, cette info, c'était mardi, là, on est vendredi, le Bitcoin était en fait épassé à 54 000 dollars. Donc, il a gagné 4 000 dollars en l'espace de 3 jours. Alors, est-ce qu'il faut maintenant investir dans le Bitcoin? Je pense que c'était avant qu'il fallait investir dans le Bitcoin. Maintenant, il faut attendre une correction. Vu comment ça a monté là, depuis décembre, au mois de décembre, je vous rappelle, hein, on était autour de 20 000 dollars. Et en l'espace de 1 mois et demi, on est passé à 54 000 dollars. Donc là, très clairement, il faut attendre une correction pour ensuite de nouveau pouvoir se positionner. Mais pour l'instant, vaut mieux rester à l'écart parce que il va avoir une correction, ça c'est clair. Alors c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Dans la prochaine vidéo, on parlera de mon portefeuille. Je ferai une revue de mon portefeuille, de mes titres et aussi de mon revenu passif que je perçois maintenant tous les mois. Donc je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Bon trade surtout. Au revoir.